Allez, c'est la motivation du matin. Allez, les pirates, Bruno Marshall, motivation du matin, allez. Aujourd'hui, on va faire un truc qu'on ne fait pas d'habitude pour cette motivation du matin. On va se faire plaisir. Et on va, ce matin, on va se dire, tiens, il y a une dure formation qui est sortie. Bruno nous a sorti une formation sur comment pardonner, c'est dur. On a pris cette formation, on l'a achetée, on l'a bossée. Et aujourd'hui, si on se faisait encore plus plaisir, et oui, parce qu'une fois qu'on a pardonné, ensuite on a plein d'énergie, il faut savoir quoi faire. Et si cette énergie que l'on a gagnée quand on a pardonné, parce que ça nous saoule plus, si cette énergie, ça pouvait s'en servir pour faire de l'auto-empathie. Et qu'est-ce que c'est ça, Bruno, l'auto-empathie? Qu'est-ce que tu nous saoules avec ton truc? Eh bien, l'auto-empathie, c'est... Ouais, c'est se dire... Ben, quels sont mes besoins? Parce qu'à force de nourrir les besoins des autres, à force d'être avec les autres, à force de comprendre mon conjoint en crise, à force de faire pour mes enfants. Et si je me pose la question, moi, quels sont mes besoins? Et c'est pas mal ça, parce que ça remet l'église au centre du village. On se dit, ouais, sympa la criseuse, sympa le criseux. Il nous fait son one man show, c'est rigolo. Jamais je reviendrai, je t'aime plus, j'ai plus de sentiments pour toi, je pleure. Et si nous, on se disait aussi, ben nous, si on a des besoins, et si on les acceptait, pas mal ça. Et si on se disait aussi parfois, ouais, parfois la vie est dure. Bon, je sais que la crise existentielle de mon conjoint, c'est normal, que tous les couples l'ont traversé, que tous les êtres humains traversent des crises. Mais ouais, mais en ce moment, c'est dur. J'ai le droit de me dire, ouais, purée, en ce moment, c'est dur. Il ou elle me saoule. Ouais, on peut se le dire. Ça fait du bien aussi. Hein, je suis enthousiaste dans le fait de dire que mon conjoint me saoule. Et puis, on peut se dire, ouais. Ouais, en ce moment, la vie, hein, j'aimerais qu'elle soit autrement. C'est ça l'auto-empathie, tiens. Je me fais ma vie de rêve, là, en ce moment. Je me fais plaisir. Fait plaisir. Ah, ça fait du bien. Ah, mais tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien faire en ce moment? Et je m'imagine comme ça. Et puis, je suis bienveillant avec moi-même aussi. Parce que mon conjoint en crise, soit il n'est pas bienveillant avec lui. Alors déjà, il n'est pas bienveillant avec lui-même, mais il n'est pas bienveillant avec moi. Eh bien, moi, je veux être bienveillant avec moi-même. Alors, j'ai pas dit gentil. Hein. Gentil, c'est un peu souvent comme mot. Vous savez que j'aime pas ce mot-là. C'est gentil, c'est comme un enfant qui veut faire plaisir à sa maman. En revanche, un vrai adulte est bienveillant. Voilà, si l'adulte est bienveillant, ben c'est pas mal. Hein, si l'adulte est bienveillant, il se fait plaisir, il se dit des choses. Donc vous êtes des pirates, mais des pirates bien construits. À force de suivre les formations, celle d'hier c'était comment pardonner. Alors si vous l'avez suivi, ben vous avez libéré plein d'énergie. Hein, puisque quand on pardonne quelqu'un, on se libère du passé. Et si on se libère du passé, qu'est-ce qui se passe? Ben on a plein d'énergie. Ben, cette énergie, vous pouvez la mettre en place pour faire de l'auto-empathie aussi. Pour atteindre nos objectifs, hein, ça c'est dans la formation. Alors, la formation, comment pardonner, franchement elle est top parce qu'elle va vous donner un coup de boost. Et toutes les formations et les coachings d'ailleurs, c'est un descriptif de cette vidéo. Hein, si vous avez, ça vous motive le matin. Alors je vous savais que je vous donne des exercices le matin. Ouais, ouais. Alors, auto-empathie ce matin, exercice d'auto-empathie. Ah, ça va, c'est pas les plus durs. Je vous ai donné des exercices plus durs. Allez, soyez bienveillants avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir aujourd'hui? Tiens, qu'est-ce qu'on s'offre? Qu'est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qu'on se dit? Quel compliment on se fait? On est parti, vous l'écrivez dessous les pirates dans le commentaire. Et vous savez qu'on est une bande de pirates. Et que les pirates, on révolutionne la société, on la fait avancer. Et donc vous allez mettre votre auto-empathie dessous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Comme ça va donner des idées aux autres pirates. Ok, allez, on se fait un coup d'empathie. Vous avez les formations, vous avez les coachings en descriptif de cette vidéo. Si vous mettez un pouce en l'air, vous aurez d'autres pirates qui vont venir dans cette... qui vont affluer, qui vont courir à l'abordage sur cette communauté, sur cette tribu. Et plus on est de pirates, mieux c'est. Hein. Et ouais, on est la pirate des pirates, de ceux qui changent la société de façon bienveillante et positive. Et ouais, c'est ça, et c'est pour ça qu'on atteint nos objectifs. Ah, qu'on retrouve nos conjoints, qu'on retrouve du boulot, qu'on fait tout. Parce qu'on se soutient, on écrit un commentaire. Donc pouce en l'air sous la vidéo et des pirates vont affluer. Si vous abonnez à cette chaîne, plus on est de pirates, plus on rit. Et puis ben, le chef des pirates, le capitaine pirate, Bruno, il vous dit, alors il vous dit quand même qu'on se retrouve vendredi à 21h. Ça oui, pour le live sur comment pardonner. Ce vendredi 21h. Et puis dans le live, je vous annoncerai la fameuse pack promo pour le Black Friday. Alors ça ne concernera pas la dernière formation, je vous le dis tout de suite, comment pardonner, ce ne sera pas dans le pack.
hein, parce que ben, c'est la dernière formation, et c'est ma chouchou, et c'est une puissante de fou. Donc cette, comme pardonner, ce ne sera pas dans le pack. Ben, je vous expliquerai dans le pack qu'est-ce qu'il va y avoir, ces 4 formations, et vous en aurez le pack, vous pourrez y accéder pendant seulement très peu de temps, et je vous dirai ça pendant le live, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un super Black Friday. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.